Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais des achats sur deux boutiques, on va dire. Donc la première c'est Cartoscrap et la deuxième en fait c'est pas vraiment une boutique, c'est sur un groupe Facebook, voilà. Donc je montre tout ça rapidement. Alors, donc pour ma commande Cartoscrap, j'ai craqué sur les nouveaux tampons de la collection Hey Baby des ateliers de Karine. Voilà, c'est un gros coup de cœur du moment. Donc j'ai pris les deux planches de tampons, enfin les deux grandes planches de tampons et un dies. Donc j'ai pas pris la collection entière, pour tout ce qui est papier, etc. Voilà, ça j'ai pas pris, mais je compte prendre d'autres choses s'ils sont en stock le mois prochain. Donc voilà, donc, là c'était vraiment une petite commande. Donc, je vais vous montrer donc, les deux planches de tampons, donc c'est celle-ci. Donc les deux grandes, donc vous avez la version fille et la version garçon. Donc la version fille s'appelle les crocs mignons. Ah, donc les tampons sont très grands, donc là vous avez un petit renard, une girafe, un éléphant, une petite biche je pense, donc avec jolie petite princesse, petit cœur, visage d'ange, voilà les tampons. Et ensuite donc, la version garçon qui s'appelle les crocs mignons garçon. Donc pareil, donc là vous avez un petit lion, un tigre je pense, un chien, un lama. Donc là c'est écrit petit champion, mon chaton, voilà. Et là baby rules, donc les règles de bébé, voilà. Comme ça. Hop, je vous montre l'arrière. Facile à voir une fois tamponné, on va dire. Voilà. Donc, ensuite j'ai pris un dies assorti à la collection, donc avec un petit doudou sur un et un tabouret, voilà, une petite, qui s'appelle doudou. J'ai déjà un dies doudou lapin, donc de chez Furia Design, mais je trouvais que celui-là irait super bien avec. Et donc pour finir, j'ai pris une planche de chez Shoe and Flowers, donc toujours sur le thème des enfants, donc gros craquage aussi pour celle-ci. Je compte prendre le parquet pour pouvoir faire une scénette de la chambre de bébé avec, avec ces tampons-ci, donc qui s'appelle chambre d'enfant 1. Donc avec le berceau, une petite étagère avec le doudou et des livres, une petite tente, voilà, là... Pas un sèche-linge je suppose avec les petits body etc, et là une petite caisse avec des jeux dedans, enfin, des doudous surtout. Donc voilà pour la commande de chez Cartoscrap. Alors à l'intérieur vous avez toujours un petit cadeau, donc là c'est un badge 38 mm il me semble, donc avec écrit nature, et donc vous avez le petit flyers de la boutique avec des étiquettes à découper, voilà, et le site en bas, donc cartoscrap.com, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Et donc la commande sur la page Facebook, alors j'avais besoin de lits, voilà. Je vais vous montrer rapidement ce qui me reste pour que vous compreniez le désastre. Voilà ce qu'il me reste au niveau des œillets. Voilà, il reste juste là quelques-uns blancs et noirs. Là, des couleurs différentes, mais bon, il y a plusieurs couleurs, donc réellement de chaque couleur, il doit en rester deux. Quelques mauves et ceux-là, donc, les argentés. Alors, ils sont trop grands en fait, donc il faut, je pense, peut-être les utiliser avec de la pâte polymère par exemple, parce qu'avec le papier, on ne peut pas les écraser correctement et du coup, l'œillet est mal posé. Voilà. Donc voilà, le reste est vide. Vous pouvez voir. Et donc j'ai vu sur une page Facebook des ventes d'œillets, donc gros craquage. Voilà. Donc il y avait la petite carte de visite de la personne qui vendait les articles. Bon,
Donc voilà mon gros craquage. Donc tous ces là, donc ceux-là, tous les paquets étaient à 1€ le paquet. Donc c'est de la marque Crealia, si je ne me trompe pas, vous pouvez la trouver donc chez Cultura. Donc c'est la marque de Cultura. Voilà, donc là c'est écrit cultura.com. Donc c'est des œillets en forme de cœur. Voilà, j'avais besoin d'œillets, donc j'ai pas vraiment regardé s'ils étaient ronds ou pas. Voilà, donc là les cœurs, moi ça me dérange absolument pas. Peu importe le projet, je peux très bien mettre un petit œillet en forme de cœur, c'est pas du tout un problème. Donc sur le site de Cultura, je crois qu'ils ont ils sont aux alentours de 79 centimes. Voilà, moi je les ai payés 1€, ça me gêne pas de payer un peu plus puisque chez moi il n'y a pas de Cultura, il n'y a pas de Noz, il n'y a pas d'Action, il n'y a rien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, qu'elle les achète pour les revendre, etc. Moi ça me gêne pas. Sachant que de toute façon je ne peux pas les commander chez Cultura, je ne peux pas aller les chercher. Donc le fait de les avoir, voilà, même voilà, à 10-20 centimes de plus, c'est pas franchement perturbant pour moi. Donc certains diront que c'est pas bien d'acheter et de revendre plus cher, etc. Mais bon, moi, comme je dis, vu que je n'ai pas du tout la possibilité de les avoir autrement, ça ne me gêne pas de payer un peu plus. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par voilà, donc le blanc tout simplement. Donc il y en a 100 dans chaque. Là vous avez le noir, vous avez le nom de la couleur derrière. Ensuite donc le rouge foncé, le rose clair, du bleu clair, du rose. Donc les or brillants, donc les argent brillants, donc là les cuivres brillants. Alors moi j'ai pensé à du rose gold plus qu'à du cuivre. Voilà. Les violets, les bleus marines, donc les verts clairs, les verts, les corails, les gris, les bleus turquoise. Alors c'est, pour moi c'est plus du vert que du bleu turquoise, hein. Du vert foncé même, je dirais. Les rouges roses et les jaunes. Voilà. Donc voilà pour cela. Et ensuite donc j'ai pris un lot rose et un lot bleu, donc thème filles et garçons. Donc là c'est lot œillet filles. Donc là vous avez les bodys, vous avez les biberons, des petits cœurs qui sont de la même couleur que ceux-là. Voilà. Ensuite là vous avez des gros œillets, donc gris et blanc. Et là vous avez des tout petits, donc blanc. Voilà. Ensuite donc là le lot garçon, donc vous avez les body bleus, les biberons, body bleu foncé, les biberons bleu clair, des étoiles grises. Alors, les étoiles elles sont vraiment très belles, j'aime beaucoup. Les gros œillets, donc blanc et gris, enfin et plutôt non, argenté, et là les petits blancs. Voilà. Donc en cadeau, parce qu'il y avait des petits cadeaux. Il y avait donc des petites paillettes, alors de couleur bleue, des argentées, des roses et une petite perforatrice cœur. Voilà. Voilà pour ces petits achats, donc carte au scrap et groupe Facebook. J'espère qu'ils vous ont plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.